Merci. Une autre fois, on a salué la presse parlée, écrite, télévisée. Et nous présent matin pour nous capables de venir parler avec la population face avec la conjoncture sanguinée dans le pays aujourd'hui. Et nous-mêmes nous disons au niveau Alliance PEP, autant de massacres et de corruption que Ariel Henry fait dans le pays, ça, nous disons clair, pas de aucune solution qui est possible avec Ariel Henry. Et c'est ça que nous disons avec tout acteur aujourd'hui. Et Ariel Henry mette le pays en feu et en sang juste pour être capable de justifier yon quelconque intervention militaire et juste pour yon capable de passer plus de temps dans tête pays ya, dans l'objectif pour yon capable de faire 2-3 grandes gouttes. Et nous clair que jodi a un ensemble de monde même qui estime que ça qu'a fait là n'est pas normal. Même gens un ensemble de monde nous qui nous ont une association juste pour yon marcher, monter, descendre, manger matin, midi, soir dans l'hôtel. Pendant ce temps, bandit a continué de mettre citoyens de yon la caillou. Et c'est ça qui explique la présence pour là au niveau Alliance PEP matin. Et pour nous venir parler avec la presse et pour nous venir continuer à parler avec la population haïtienne. Juste pour nous dire que jodi a, peuple n'a pas pour le courir sous bandit, ni tout le pas pour le courir pour vous. Et tout autant, nous, dans la gouvernance, parce que tout le monde connaît là, nous avons une mauvaise gouvernance avec Ariel Henry et cette gouvernance sans nous changer. Tout autant que ce n'est pas l'État ça qui nous change, l'État bandit ça qui nous change, nous avons toujours sous pression bandit. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous demandons avec toute organisation progressiste, nous demandons avec tout parti politique conséquent, ensemble des gens qui sont habitués à bataille dans le pays, et nous faisons appel ensemble avec eux pour nous dire que, je dis, dans la situation que le pays a trouvé là, tout nous pas arrêter chez la caille, nous pas arrêter à garder côté que pays a population moun yo a monté le ciel pas d'eau. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous dit n'a demandé une autre gouvernance avec un leadership éclairé côté que nous pour nous capable conduire côté pour citoyens qui quittent la caillou capable retourner la caillou côté que pour ensemble des moun qui dans la diaspora qui gagne bien yo ici en Haïti nèg avec femme dans pouvoir ici qui ben nan men yo pour capable rejoindre bien yo pour capable rentrer la caillou tranquillement et pour nous capables rentrer dans l'élection en le pays. Mais pour nous faire tout ça que nous sommes dit là, il faut que nous rentrions dans ça que nous voulons, démission et arrestation Ariel Henry. Si nous pas une démission et arrestation Ariel Henry, nous allons garantir pas de rien qui capable de faire en le pays avec gouvernance Ariel Henry. Merci. Ok. Parti politique est déjà annoncé en marche pour 17. Est-ce que Alliance PEP a porté côté? Écoutez, Alliance PEP là pour le présent, pour participer dans toute activité qui doit être faite en un pays qui peut permettre que nous sortions dans la conjoncture ça qui nous est là. Mais je dis à l'éclair, personne ne peut venir vendre nous en a pour 6 ans. Parce que nous tous connaissons, et les gens qui sont responsables de la Jodia, il n'y a pas 3 jours depuis que là, il était ministre des Affaires étrangères, depuis qu'il était premier ministre de pays. Et je dis à c'est ensemble de gens avec Jovenel Moïse qui crase le pays, qui mange toute institution qui est dans le pays. Est-ce qu'ils ont fait élection pour être capable de doter le pays de l'ensemble des institutions qui ont été dans le pays qui ont crasé? Et jusqu'à présent, depuis avant, Jovenel allait craser toute institution. Nous avons été dans un imbroglio politique côté que le Parlement, Jovenel était envoyé l'aller depuis 2020, depuis avant que lui-même, l'équipe était assassiné. Et même Jovenel, comme président de la République, l'a assassiné sous le même régime par là, côté que c'était l'idée. Et Déa qui était premier ministre en même temps, chef CSPN. Elle dit, je dis à comment faire pour qu'on soit capable d'abjurer un gouvernement comme chef CSPN. Je dis à un président de la République, à partir de tout le monde qui fait assassiner sous lui, quand il y a des massacres qui fait sous lui, un président de la République, président qui était nommé là, qui était metté là, qui était le job là, il a assassiné le jour pour qu'on soit capable de prétendre, lui penser qu'il est capable de venir retirer Haïti dans sa vie. Je crois que je dis à Pepe Haïtien, il n'y a pas pour le suivre ni con. Ni ou ensemble de voix ou ensemble de délinquants qui te mettent dans la situation qu'il y a, mais c'est ça que nous nous disons. N'a pas les épaules avec tout progressiste, n'a pas les épaules avec tout le monde qui voulait que Haïti soit dans sa vie. Mais nous pas qu'à entendre, nous pas jamais collaborer avec Bouroyo qui t'a massacré peuple là pour ne faire aucun pas d'aucune alliance qui possible avec Bouroyo. Monsieur Benel, Ariel Henry fait 2 ans dans tête pays, il n'a rien pas réglé. Kounyala, si on va parler là, nous besoin l'autre transition encore. Pour combien de temps? Écoutez, nous avons une transition. C'est vrai qu'il y a qui vient. Nous parler de ni transition ni pas transition. Nous avons un leadership éclairé et partagé. Avec un ensemble de monde qui viennent là, ça qu'on gagne comme tâche, comme responsabilité au niveau du gouvernement pour nous gagner espace
pour faire l'appliquer. Ça fait nous parler de gouvernance, une gouvernance avec un ensemble de monde qui a un leadership éclairé et partagé. Faut nous rejoindre à mauvaise gouvernance, ça, son manque de leadership, son manque de capacité politique. Et son ensemble de monde même qui n'a connivence avec voyou et délinquants qui gagnent ça dans la quasi populaire. Et 2 ans ça. 2 ans, nous disons, sont 2 ans d'échec. C'est 2 ans catastrophe. C'est 2 ans côté que Ariel mettait avec Akoli Clio, elle a assassiné nous en Nigeria. C'est 2 ans côté Ariel mettait avec Akoli Clio, ils font ensemble des citoyens qui te gagnent 2 ans, te gagnent 3 ans, te gagnent 5 ans, te gagnent 10 ans, te gagnent 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis que tu as construit vie. Ils ont maintenant une vie familiale avec la famille, ils ont construit vie en côté, côté que ont construit, mettez petit avec madame, yo, mari, yo. Ben je dis à eux, ils ont dormi sur place publique. Je dis à eux, ils ont couru, monté, couru, descendre dans toute la rue. Je dis à eux, c'est dans la rue, ils ont boulé. Nous croyons que aujourd'hui, dans ce que nous sommes là, nous ne pouvons pas parler de Ariel. Nous disons 2 ans qui sont passés là, c'est 2 ans d'échec. Et nous prenons 100 ans pour nous réparer ensemble des dégâts que l'équipe ça a fait dans notre pays. Je dis à vous, c'est 2e jour de l'école. Écoutez, et crois, avant que nous parlions, quand on a parlé, je crois aujourd'hui à l'éclair, et PHTK fait une campagne contre l'école, contre l'éducation. Et je dis à nous-mêmes comme les gens qui ont bataillé, qui ont gommé, qui sont dans la matrice et peuple, nous-mêmes comme les gens qui sont en dehors, c'est grâce à l'école qui fait ensemble des bagages que nous-mêmes nous faisons, nous ne pouvons pas continuer à mener une campagne contre l'école. Et c'est ça que nous-mêmes, nous toujours disons. C'est l'État qui doit créer conditions pour permettre que les gens rentrent à l'école, pour accompagner eux. Parce que nous sommes gardés dans des années scolaires 2021-2022 qui sont passées là, 2022-2023 qui sont passées là. Nous, c'est qu'ils vont prendre les gens dans l'école. Parents, semaine ça à l'école, l'autre semaine pas à l'école. Nous ne voulons pas pour la société à retourner. Vivre un bagage comme ça. C'est ça que fait, nous te prenons position. Les gros ensemble de nègres qui te dit que dans le jour examen baccalauréat, les gros ensemble de monde dans le pays te fait conférence de presse pour te dire que vous allez faire grève dans le jour. C'est ça que fait, nous-mêmes nous te dit, nous pas qu'à sanctionner si monde qui fait autant de sacrifices que les parents ont fait pour être capable de boucler à l'école, nous pas qu'à sanctionner. Et bien, pas qu'à continuer à sanctionner les parents, nous pas qu'à payer 100 pour voir comment ils sont capables de payer l'école. Et je dis nous ça, nous tous connaissons. Mais quel que soit l'autre qui paye l'école là, on pas payer ni 2 mois, ni 3 mois, ni 4 mois. C'est 10 mois l'école là qui va payer. Quel que soit l'autre qui est rentré à l'école, qui est rentré en janvier, en février, elle dit qu'il faut que l'État crée des conditions pour que l'on continue à l'école. Merci. Sécurité à qualité. Oui, oui. Moi, je salue la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne qui est là avec nous. Et nous félicitons tout le monde, tout haïtien conséquent. Qui décide jodi a continuer rete vivre dans sa vie là dans situation que nous y la jodi a gien pile jeune garçon jeune femme dans pays a jodi a qui perdu espoir dans pays a et qui parti quitté pays a a chercher espoir dans l'autre terre a chercher espoir dans l'autre ciel pendant que jodi a nous mêmes nous continuer vivre là y a kidnappé nous y a humilié nous y a violé petite fille nous. Il y a violé famille nous, mais nous là dans le pays. Nous là toujours. Et c'est ça qui fait, nous-mêmes Alliance PEP, nous toujours dit que nous-mêmes nous pas qu'à faire silence dans la situation ça. Dans la situation ça, nous pas qu'à regrouper nous, dans l'association, monde qui a cherché à manger dans le pays, alors que la population a aux abois. Et c'est ça qui fait nous-mêmes, nous avons 2 projets dans le pays. Nous avons un projet, les États-Unis, la France, le Canada, l'ONU, trois groupes ont mis dans le pays. Et que Ariel Henry et Alcolite Li, c'est gardien projet ça. Et projet ça, c'est projet qui pote la mort. C'est projet qui pote assassinat. Projet ça, c'est projet qui pote kidnapping. Projet ça, c'est projet qui crase toute institution dans le pays. Projet ça, il dévaste le pays. Il dévaste la jeunesse. Il fait que je dis, quel que soit l'âge ou gagné, on pas capable de prendre responsabilité de la carrière. On ne veut pas servir, on ne veut pas utile. Et c'est ça qui fait, le projet ça, la force nous partie qui quitter le pays. Mais nous ne comptons pas pour qui ça projet ça. Parce que le projet ça, il n'est pas dans l'intérêt de pas ici. Et quand l'autre projet, c'est le projet monde qui choisit pour vivre dans le pays. Malgré ça, pas bon, pour construire le pays. Le projet ça, c'est le projet qui veut porter la vie. Et que le projet Alliance peut faire partie. Le projet ça,
Nous voyons que les gens qui sont en pleine Maribarou, dans le département nord-est, nous voyons que ils ont un projet ça. Parce qu'il y a combien pour qu'ils font un canal pour arroser le jardin. Dominique est campé par le canal la fête. L'État ici est campé avec Dominique. Et ce qui est grave dans la race, c'est que nous avons hier eu une délégation, la police qui arrivait, côté de la pleine Maribarou. Ou au lieu d'accueillir les policiers, il y a pas de bravo pour ça. C'est extrêmement grave. Alors que la police, nous avons dit son institution républicaine qui mérite protéger par tout haïtien. Mais cependant, le projet de mort, l'écraser l'institution policière. Le projet de mort, il dévaste la confiance nous dans la question de la police. Donc là où un policier aujourd'hui a plus envie de courir, et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, où les policiers arrivent à côté. Au lieu pour citoyens, citoyennes, camper pour applaudir les policiers qui viennent, donc ils applaudissent les sables. Donc nous, quand nous sommes mariés, nous sommes bravo pour eux, nous mettons notre chapeau pour eux, parce que nous disons, projet à faire pour fouiller le canal là, pour jouer la vie dans la communauté là, donc nous-mêmes, c'est dans ça, nous-mêmes, Alliance Peuple, nous inscrit. Donc, dans le projet, même le projet là, moi, ça, ils ont crasé l'école de pays là, ils n'ont pas d'accord avec l'école. C'est ça qu'il faut, ouais, je dis là, Canaran, pas de monde qui est Canaran, donc toute l'école Canaran fermée. Toute l'école dans Torsel fermée, toute l'école qui n'a Pelé et qui n'a Simon Pelé, ça c'est fermé. Toute l'école qui n'a Belé fermée, toute l'école qui l'a en l'air là, puis au bateau pour cela fermée. Donc je dis à qui ça guère, il y a un projet pour que haïtien, l'homme haïtien pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Pour que nous restions comme des mouns, comme des instruments dans main pour nous capables pour capable utiliser nous contre pays nous. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui la majorité dirigeants que nous gagnons yo, c'est dirigeants qui peuvent défendre intérêt pays là. Majorité dirigeants nous gagnons yo, c'est des mouns qui cherchent opportunité pour faire tête au plaisir, pour faire famille au plaisir, pour faire amis au plaisir. Et c'est ça qu'il faut ouais, je dis à quel que soit groupe qui vient là, CARICOM vient venir pour faire négociation, venir pour faire tolalito, pour venir pour faire vireron. Et chaque négociation ça, li pas dans intérêt nous, li pas dans intérêt communauté a, li plus dans intérêt plan la mort. Li plus dans intérêt projet la mort, parce que pour projet la mort, pas de question négociation. Et c'est ça que fait aujourd'hui à nous mêmes dans l'Alliance. Donc il faut que toute force progressiste, il faut que nous rassembler pour que nous fassions un bon dialogue, pour nous discuter entre nous, pour nous regarder dans les yeux. Pour nous reconnaître côté nous faire faute, côté nous pécher, pour nous attendre notre famille à culpa, et bien pour nous redéfinir la politique pays. Parce que ça là, il n'y a pas d'intérêt nous, il n'y a pas d'intérêt personne. Et c'est ça nous croyons. Donc nous-mêmes, nous croyons que, je dis, quel que soit l'agent, nous sommes là en Ukraine, la guerre, coup d'entrée, l'école ouvrie. Nous-mêmes, alliance peuple, les gens qui ont un projet pour casser l'école, pour fermer l'école, nous ne pouvons pas bouger ça. Nous avons un projet pour que l'école, pour que l'école l'ouvre. Même si nous reconnaissons la situation socio-économique du pays, faire les gens ne sont pas capables de prendre pour les petits. Faire les gens ne sont pas capables de payer l'école pour les petits. Parce que l'État aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait faire, ils ont mis dehors, c'est dans le lycée, c'est dans le lycée jeune fille, c'est dans le lycée Marie-Jeanne. Qui est l'autre monde, ils ont mis dehors, c'est dans l'espace l'école, ils ont hébergé. Donc nous avons aujourd'hui, l'école ça aujourd'hui, il faut que l'État dégage. Si l'a fait l'école l'ouvrir, il faut que l'école l'ouvre dans tout le pays. Donc j'ai encore dit à l'ouvrir l'école. Si pas, si pas, nous il faut que l'école l'ouvre dans tout le pays pour gagner l'école. Merci. Mais je veux dire qu'il y a une l'école qui a fonctionné, oui, là, qui sort dans Kassa. Et nous sommes toujours dans la situation ça, dans le pays de Haïti. On Haïti pour les gens qui sont capables, on Haïti pour les gens qui sont vivants, pour les gens qui gagnent l'argent, on Haïti pour nous-mêmes, qui sont pauvres, qui ne gagnent rien. Et Haïti pas nous, nous devons lever sous Katia, nous ne pouvons pas manger, c'est bon 2 heures nous partons nous manger et ça partir à nous dormir. Haïti pas nous, nous devons acheter un tennis, nous ne sommes pas capables, c'est dans mon frère pour nous prêter ton tennis pour nous sortir. Haïti pas nous, nous devons besoin de l'école, dans l'école nous ne pouvons pas composer, il y a voie et nous tourner. Ou bien si nous composer, nous ne pouvons pas caner. C'est toujours que Haïti, nous devons payer pour faire petit tour à l'étudier ces domaines, à l'étudier les États-Unis, à l'étudier dans l'école qu'il a dans le pays, il y a toujours payé l'école là en plein. Il y a toujours quitté sa fonction, les gens la fonctionnent. Ça équilibre ça, c'est seulement l'État
c'était l'État. Et c'est ça que fait, ouais, les camarades Benel sont expliqués. Il faut qu'il y ait un leadership éclairé pour que nous mettions équilibre dans le pays. Pour que ça soit capable pour moi. Pour que la justice sociale là soit capable de faire. Même si on a mangé, on a mangé tout. On a voulu petit tout l'école, on a voulu petit tout l'école. On a voulu machine, on a voulu machine. Ou quand on a pour été, on a voulu pour été. Donc c'est ça nous-mêmes, nous quoi, et c'est là nous. Et dis-nous comment ça y est avec nous connaissons les qui sont zone café après ben c'était fini repousser yo et dis-nous comment ou est vie mon et comment ça y est pour yo dans la cour nous. Eh bien gens tout le monde capable constater mon yo a vivre dans un état qui est déplorable. Dis yo état qui est déplorable, c'est dit que c'est pas l'état monde a choisi vivre. Et yo n'a pas nous constater. Ce n'est pas l'autre nation qui a permis ça d'arriver, c'est Haïtien et Haïtien encore. Haïti, c'est Haïtien qui a déchiré l'autre. L'autre grand monde dit qui bandit qui les a amenés au capturé. L'autre grand police qui a tiré à qui c'est Haïtien. Et qui vient permettre un paquet Haïtien qui va rentrer dans la logique de bataille, que ce soit pour une raison ou l'autre. Mais au même objet victime, c'est eux qui ont parents perdu, c'est eux qui ont des cailloux brûlés, c'est le monde ça, normalement qui n'a rien. Eh bien, c'est ça qui nous montre que Haïtiens, jusqu'à présent, vous êtes capables d'entendre. C'est Haïtien qui mettait Haïtien dans l'état sur la ville jusqu'à présent. C'est son façon pour dire que les gens qui ont senti, que ce soit Marie-Jeanne, cette jeune fille, lycée firme, et Colbert Louchard, n'importe sans qui tu es capable de passer, eh bien, yun pas différent de l'autre, parce que c'est dans le même état que vous, c'est pas des gens qui vivent dans le monde. Mais c'est une raison ça qui fait que nous avons demandé l'État rapide, vite, pour que capable de mettre pied à terre pour retirer les gens et dans l'espace l'école là, pour faire les gens rentrer la vie. Donc nous connaissons jeudi à ce deuxième jour dans la semaine d'école là. Donc et logiquement nous avons dit lycée Marie-Jeanne a supposé frapper là et avec élèves. Mais est-ce que pas au moins yon moun yon responsable et dans l'état ou encore yon responsable et l'école là qui vient côté nous qui t'a pour demander nous espace ça pour capable faire ouverture l'école là? Moi-même qui parle voilà me son professeur. M'a travaille dans lycée des jeunes filles. Jusqu'à présent, beaucoup de gens jouent l'État a dit rien. Pendant que l'école là, nous avons choisi le deuxième jour pour réouvrir l'école à l'académie, le 23 décembre. Si moi-même, comme professeur, au programme qui dit, je ne vais pas progresser pour l'élève, et que Jean groupe dit, c'est sûr que c'est l'école qui a couvert mon groupe et puis mon l'autre qui va aller. Et cependant, dans les affaires de l'école, c'est l'égalité de chance qui t'a choisi. Côté que ni ça qui gagne l'argent, ni ça qui pas gagne l'argent capable de l'école. Et d'autres en plus, ça qui arrive là, c'est déjà une irresponsabilité de l'État qui peut être arrivée. Mais si l'arrivée, j'en arrive à là, et que l'État doit assumer responsabilité, ou bien est-ce que si on retourne à l'école, pour moi, et c'est peut-être un forcing à baisser fait, ou bien c'est peut-être. Montrer mon yo et misère yo pas important pour yo samedi yo pas important pour yo calamité yo pas important pour yo c'est raison pour que yo vague normalement sous ça qu'a passé mon yo qui dans situation difficile là et puis yo même yo dit l'école et qui est-ce qui va dans l'école là c'est la population mais c'est la population qui n'a pas de sécurité comment va faire l'école pour moi c'est pas vraiment yon l'école qui prend. Nous connaissons que l'État ici agit par la force en pile. Et pour ce dit à l'heure, nous prêts pour nous laisser l'école là. Si toutefois l'État a pris sa habilité pour lui faire nous retourner la caille nous. Mais si toutefois il décide de faire nous quitter l'école là par la force, et ce que il n'a pas fait des préparations pour nous pour retourner la caille nous. Qui réaction nous? Sincèrement, pas quoi que l'État a fait par la force, parce qu'on dit l'État. C'est déjà son groupe qui sortit dans la population, selon moi-même. Et Zane Kabab dit que c'est l'émanation de société. Elle dit qu'il y a une misère, il y a une toute sa moune qui a subi. Il veut faire par la force. Qui sort de la moune, ça, au côté de la moune.
et même si tu as fait pas la force vraiment mon capitaine dans l'école là grand petit monde nous ouais qui là sur l'espace là c'est petit monde qui n'a même l'école là encore c'est petit monde qui dans le lycée jeune fille qui là mais l'autre bail petit monde c'est jeune fille qui là abri hein gaz ou dit de dire ça ça fait là c'est comme si pas rien mais selon moi même pas que que yo ka fait pas la force parce que c'est l'état nous c'est l'état haïtien c'est pas un autre l'état que mieux c'est l'état haïtien nous sûr que c'est responsabilité que yo doit prendre pour ka permettre à ce que moun yo yo retourner la caillou et puis pour l'école là lui-même li reprendre correctement moi même comme professeur n'importe façon l'état a voulu faire là depuis c'est pas abus la fait depuis c'est pas droit moun yo la violer moi même prêt pour moi plier bagage moi et puis ça l'a fait avec un pour faire parce que moi même qui parler avec nous là c'est un homme qui victime caillou boulé et ma on madame ma on ti moun nan même par contre côté pour mal encore est-ce que l'état ka vinn di moi comme professeur prend la rue mais prend la fuite et puis pour pas dire rien ensemble avec moi et cou yo qu'est-ce qu'on va faire monsieur que l'état prend responsabilité pour lieu de faire par la force oui il gagne la force légitime avec nous dit la force légitime son bagage qui est légal mais pas capable outre. Donc nous obligés du pays par la force c'est suite avec ça nous connecté passé ambassade américaine côté que et négaxam t'es couru derrière mon yo et puis yo t'as le refuge devant ambassade américaine que même policier ça yo t'es déplacé albay mon yo gaz et bah au bâton faire déplacer donc c'est dans cadre ça nous même nous dit si toutefois ça t'arrive pour côté nous là qui ça nous a fait moi sûr que l'état va prendre parce que ça qui arrive là c'est va des bagages l'état qui a joué avec sûr que là va prendre pas problème de ça. Donc étant que son professeur, donc dis-nous nos bon dernier message et pour nèg qui a exam. Donc je dis qui mettait toute population de en café. Je pense que c'est depuis au seuil de interview ça, c'est ça me dit. Nèg exam, ça aurait les bandits, c'est haïtien. Et l'autre monde qui en face yo c'est haïtien. Même ça moi même moi suis ça m'endé monsieur. C'est comprendre à ce que c'est mettre nous comme haïtiens nous n'a promet avec l'autre nous n'a déchiré l'autre et puis de faire ça au même que pour faire lundi yo a connait tête déjà lundi yo en pile monde dans population qu'on yo a déjà c'est monde impérialiste yo c'est corps groupe là c'est tout monde ça yo qui pas veut pays avancer parce que et gagnon parole qui dit bien que moi même pas vérifié même tendez la radio qui dit normalement Kogou fait comprendre que toute grande décision politique qui gagne, qui prend pour Haïti, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes pays qui ne peuvent pas diriger par nous-mêmes. Et s'ils ne peuvent pas diriger par Haïtien, nous ne pouvons jamais joindre être Haïtien en vrai. Nous ne pouvons jamais joindre la population haïtienne en vrai. C'est sûr qu'il y a créé chaos pour être capable de joindre ça eux-mêmes, ils ont besoin de bon pour eux. Et bien, Haïtien, et l'un a parlé, l'un dit Haïtien, bandits, ça nous les bandits. Moun ki l'autre moun ki en face mandi yo c'est comprendre que c'est chaos moun yo a meté là a créé là pour que nous capable pour nous n'a pas rivé comprendre ça y a fait puis nous même pour nous changer physique nous d'épaule pour nous cabaye Haïti en délivrance pour nous font leur travail c'est message ça que m'a voyé pour monsieur nous dit qu'il y a zame parce que population pas gens amnan mel nous sûr que nèg qui gen zame nan mel yo pas plus que population et si population te gen zame nan mel nèg ça ou ta mouri. Nèg sa yo pa tap ka goumen avec population parce que population en plus. C'est parce que yo pa gen nan men yo ki fè pou yo. Mais arrangez-nous pour nous goumen contre moun ki ap goumen contre nous yo, mais c'est pas contre haïtien pareil nous pour n'a pou. C'est message c'est pas ça. Non, rappelez-nous non. Non pam c'est Grégoire Brunel, Jean nous dit assez professeur Grégoire qui travaille dans ici. Merci Grégoire. Si nous non et je dis à qui nous connaissons deuxième jour l'école donc et nous déjà nos espaces côté de l'école d'État supposé à fonctionner. Dans ce moment-là, nous essayons encore, c'est toujours le même monde café qui occupe l'espace. Dis-nous comment ça va. Moi, ça va la presse parler, écrit télévisé. Avec les médias en ligne, nous avons fait un gros travail pour nous informer, pour nous sensibiliser la population haïtienne. Nous-mêmes, comme citoyens, nous connaissons les instructions civiques et morales. Puisque ma patrie c'est la terre, que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage, je dois aimer ma patrie, travailler à sa grandeur et à sa prospérité. Et si c'est nécessaire, je dois être prêt à mourir pour elle.
pour nous avancer avec une très belle question que vous posez. Nous, on parle de l'ouverture de l'école, mais en fait, on va nous garder un système éducatif qui est en décadence. Nous connaissons le système éducatif qui est en décadence. Les nègres qui ont besoin de créer son pays, ils ont attaqué le secteur, ils ont attaqué le système éducation, juste pour être capable de créer le pays. Ils ont même utilisé des parlementaires, ils viennent comme Jules Oligarque. Je dis là, si on a prôné la parole de l'ouverture de l'école, je dis non, c'est archi faux. Parce que dans le climat insécurité que la population haïtienne a retrouvé là, nous ne pouvons pas parler de l'ouverture de classe. Non, c'est archi faux. Là, nous prenons, peuple, quand vous faites là, qui est une situation désastreuse, une situation infrahumaine, une condition alarmante. Est-ce que nous avons parlé de l'ouverture de l'école? Est-ce que le phénomène est secteur cabas? Je dis là, nous retrouvons nous dans un espace qui c'est des jeunes filles, ouvert sur l'école là, mais qui s'allie. C'est coup de balle qui fait le peuple la vie entre l'école. Entre l'école là, nous faisons apprendre plus pour le gouvernement qui va prendre conscience de l'État avec l'Occident. En un mot, c'est ça mon cap dit de ouvert sur l'école là. Il n'est pas possible, il n'est pas probable, parce que l'école n'est pas fait seulement pour les congrégations. L'école n'est pas fait seulement. Pour si vous êtes en l'air, il faut que vous puissiez faire l'école, que vous puissiez faire l'école, que vous puissiez faire Solino et la trio, il faut faire l'école. Vous n'avez que ça pour nous faire. On nous fait ça que la prise de conscience. Prise de conscience, c'est lui-même qui a dit comme ça que on nous fait ça que le soulèvement général pour combattre Mounsayo. Mounsayo prend toute mémoire. Mounsayo fait ça que la décapitalisation au plein dégât. On est là, on vient faire une décentralisation forcée. Décentralisation forcée, on hein? Fait mon yo. Pas qu'à l'école, pas qu'à arrêter la caillou. Comment on va à l'école, on va coup de balle. Eh bien, on va venir à l'école, si vous n'avez pas l'école, quand vous ne pouvez pas l'école, on va dire au peuple là, pas prendre un discours. On va dire qu'on est à l'école, menti. Ça, c'est une école là, pas ok. On va sensibiliser tout le monde qui n'est pas à l'école. Yo. Attaquez l'école pour vous. Yo. Vous nous dites que si vous n'avez pas à l'école. Merci. Est-ce que vous n'avez pas venir parler avec nous là pour faire nous laisser cet espace là en façon pour vous-même et pour vous capable d'ouvrir le lycée à jeudi? Parlez avec nous. Qui est-ce qui a parlé avec nous? Bon, nous n'avons pas d'autorité. Nous, gouvernement déplorable. Nous n'avons pas parler avec nous. C'est nous qui pour nous parler avec eux. Nous pouvons parler avec eux sous toute forme. C'est surtout pour nous parler avec vous. Parce que vous ne pouvez pas parler avec nous. Tout le monde qui est là, c'est victime. Là, victime de la société haïtienne. Tout le monde qui est boulé. Les gens qui perdent tout à voir, tout à faire. Regardez les gens qui ont pris. Vous avez vu l'école dans le lycée Marie, regardez. Donc, comme nous connaissons que. Vous avez vu l'école dans le lycée des jeunes filles. Vous avez vu l'école. Vous avez toute mission qu'on a gagné. Vous n'avez pas gagné l'espace encore. Nous allons attaquer le ministère. Si nous quittons l'État à fonctionner, nous ne pouvons pas faire rien. Il faut que nous commencions à reposer nous dans l'État. Parce que là, l'espace a commencé à saturer. Nous concentrer, nous allons attaquer l'État et nous allons attaquer les dirigeants. Tout. Nous allons attaquer les dirigeants, nous allons aller comme ça avec deux mondes. Comme la soirée, c'est un peu sur l'évangile de Gaïa, plus de consensus qui est établi à travers tous les 10 départements géographiques du pays. Comme nous connaissons l'État lui-même, il décide de faire un bagaille, même si ce n'est pas la force qu'il a fait, tant que nous songe, si nous avons rappelé nous tout dernièrement, côté que l'homme était couru derrière et toute une population. La population italienne prend refuge devant l'ambassade américaine et ont utilisé des policiers qui sont dans la masse là tout, qui ont tiré coup de balle ensemble avec gaz lacrymogène sous le peuple pour laisser l'ambassade américaine. Donc, qui réaction nous si toutefois vous avez utilisé même policiers pour venir tirer sur nous et même lancer gaz lacrymogène sur nous pour nous quitter l'espace là? Quelle disposition à prendre? Disposition à prendre. Et la même disposition, c'est couper tête pour les cailles. Disposition, nous, les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène sur quelque sorte de population haïtienne, qui ont manifesté parce que la situation de ville par bon, ils ont tiré sur nous, de l'autre côté de la bagaille, nous-mêmes, c'est couper tête pour les cailles. Parce que je n'ai pas besoin d'identifier quel policier, parce que les policiers sont du même côté avec nous. Ils ont vu du même côté avec nous. Ils ont mangé même ça, nous mangeons. Si ils ont utilisé comme tchoul,
contre la population haïtienne, n'a pas duré saisir. Merci. Est-ce que vous rappelez le nom? Non, c'est jeune adjugé révolutionnaire de tous les temps. Qui est ce que avec les Simaniga qui ouvrent l'école, mais qui plient les peuples? Malheureux eux-mêmes. Bonjour. L'homme de Simaniga est insignifiant. Monsieur Pagri va dans l'éducation nationale. Parce que l'autre pays comme ça, monsieur, pour lancer l'ouverture des classes, c'est un problème que je fais. Pour lancer l'ouverture des classes, il faut que le système de sécurité soit stable, il faut qu'il y ait une stabilité politique en pays. Côté que la sécurité la valeur de terrain, pour nous dire que tout le monde peut chercher l'école. Hein? Non mais tout le monde ne va pas à l'école tout parce que c'est un massacre de tout. Mais si Manigal lance l'école, c'est pour petite Matéli, petite Lamotte, petit Jovenel Moïse qui crase le pays. Avec petit tout le monde qui est le gouvernement avec eux. Si moun la saline pas à l'école, si moun tapoué pas à l'école, si moun matisse pas à l'école, si moun belle pas à l'école, Solino et la trié. N'a dit tout le monde. N'a pas de conscientiser nous. Quelle que soit l'école, nous avons ouvert, nous avons marché, envoyé. Merci.